Nous avons monté un projet de forage au sud de Rennes parce que ce secteur est une zone géologique particulière dans le massif armoricain. C'est une zone, en fait, un bassin sédimentaire où sont accumulés plusieurs centaines de sédiments et dont jusqu'à maintenant on n'avait aucune idée de la nature. La première grande étape du forage, c'est la préparation de la plateforme de forage, puis ensuite une première phase de forage très rapide sur les 60 premiers mètres qu'on isole en tubant et en cimentant pour éviter toute pollution de la nappe souterraine superficielle. Ensuite, le carottage à proprement parler débute. Une fois cette phase terminée, on a une phase de diégraphie, puis une phase nouvelle de tubage et de cimentation, et à la fin, l'essai de pompage qui clôt l'opération. L'implantation sur la commune de Chartres-de-Bretagne répond, elle, à trois critères principaux. Un critère scientifique, puisqu'on avait certaines connaissances dans ce secteur-là de la géologie. Un critère d'accessibilité, il fallait que ça soit facilement accessible pour les outils de forage. Et un critère foncier, puisque la commune de Chartres-de-Bretagne, maître d'ouvrage, devait être propriétaire du terrain. Le premier objectif de ce chantier, c'est un objectif scientifique fondamental qui a trait à la connaissance géologique du bassin tertiaire de Rennes dans lequel est implanté ce forage. Et viennent se greffer deux autres objectifs plus appliqués, qui sont tout d'abord l'hydrogéologie, c'est-à-dire on va chercher à connaître quelle est la nature des terrains et surtout leur potentiel en matière de teneur en eau souterraine. Et troisième objectif, c'est un objectif lié à la géothermie, c'est-à-dire qu'on va essayer de connaître et d'évaluer le potentiel en termes de chaleur de ce bassin tertiaire qui a une profondeur de 600 à 700 mètres. J'y vois la démonstration pour ma part du rôle que le BRGM peut faire en accompagnement des initiatives des différents territoires à travers ces implantations régionales. Je suis très heureux que ceci puisse profiter en premier lieu à la Bretagne. Ce projet est exemplaire à plus d'un titre. Après deux années d'échanges et de négociations, on a réuni autour de la table un partenariat assez exceptionnel, puisque nous retrouvons l'État, les collectivités territoriales avec le Conseil régional de Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, l'agglomération Rennes Métropole, mais également des agences d'objectifs, avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'ADEME, des syndicats d'eau, et je pense au syndicat mixte de gestion des eaux d'Ille-et-Vilaine, je pense à l'Institut d'aménagement de la Vilaine, et puis sans oublier le partenariat scientifique très fort de l'Université de Rennes 1, et tout cela avec une maîtrise d'ouvrage partagée entre la commune de Chartres-de-Bretagne et le BRGM. On a choisi de descendre à une profondeur de 700 mètres, ce qui n'était jamais vu en Bretagne auparavant, puisqu'on voulait être certain de recouper l'ensemble de la pile sédimentaire contenue dans ce bassin. Le carottage, en fait, consiste à placer un carottier au bout d'un ensemble de tiges qu'on descend au fur et à mesure, et au bout de ce carottier, on a une couronne diamantée qui vient abraser les terrains. On a ainsi un cylindre de roche qui vient dans l'ensemble des tiges creuses, et tous les 3 mètres, on va remonter à l'aide d'un câble le carottier qui contient la carotte. Donc, une fois que les carottes sont arrivées à la tente du BRGM, donc ils commencent premièrement par la nettoyer, on va la mesurer, et puis ensuite on va la décrire, donc on va observer avec la loupe ou à l'œil nu. Cette carotte qui mesure 3 mètres de long, il faut la stocker dans une caisse, et cette caisse va être ensuite photographiée sur un banc photo spécialement conçu. Une fois cette photo prise, elle part sur un banc pour scanner la carotte, c'est-à-dire que cette fois, elle va être disposée sur deux rouleaux qui tournent en continu, et une caméra vient dessus et scanne à 360 degrés l'ensemble de la roche. On a un logiciel spécifique qui analyse cette image et qui va pouvoir ensuite nous donner des informations sur les structures qu'on a dedans, si on a des failles par exemple, donc l'orientation de ces failles, etc. Maintenant, on peut passer à une phase plus destructive, c'est-à-dire l'échantillonnage de la carotte. Et donc, c'est la dernière étape qu'on a faite sur le chantier. Donc, cette fois, on va échantillonner les parties qu'on avait repérées. Ces échantillons sont placés dans des sacs plastiques et sous atmosphère azotée pour éviter toute oxydation et sont stockés pour être analysés plus tard au BRGM. Les diégraphies consistent à mesurer des paramètres des roches à l'aide de sondes qui sont descendues dans le forage le long d'un câble. Donc on mesure ces paramètres qui sont la température, la radioactivité naturelle des roches, la porosité, la densité. Alors l'essai de pompage, ça consiste en fait à descendre une pompe dans le trou de forage et la vitesse à laquelle le niveau de l'eau va remonter dans le forage va nous donner directement des informations sur la capacité des roches à fournir de l'eau
pour éventuellement une utilisation ultérieure comme l'alimentation en eau potable. Les perspectives de développement sont nombreuses. Nous avons déjà acquis des connaissances importantes sur la géologie du bassin rennais. Le développement scientifique se fera à travers des thèses que l'on va mettre en place avec nos partenaires universitaires sur la géologie, sur l'hydrogéologie, sur la géothermie et aussi sur une science qui est très peu connue, qui est le développement de la biomasse en grande profondeur. Et en cela, le chantier Synergie, le forage exceptionnel Synergie, est un terrain d'expérimentation unique.